débat d'un moment. Bon, je pense que au vu des occasions qu'on a, on doit remporter ce match. Voilà, on rate un pénalty, on a plusieurs opportunités en face de la cage qu'on ne met pas au fond. Après, voilà, on s'attendait à un match différent de vendredi. On sait que ça a été compliqué pour le Mali, donc ils étaient revanchards. Je pense qu'on a fait le match qu'on voulait faire dans la présence, dans l'agressivité. Maintenant, on a 4 occasions franches, 2 face à face contre le gardien. Boussoufa en première mi-temps, le gardien la sort superbement bien. Et face à face, Oussama Tanan en deuxième mi-temps, un pénalty raté. Et un autre face à face de Rally de Boutaïeb. Ça fait 5 occasions dans un match, ça fait beaucoup. Alors bien sûr, on va dire c'est dommage, mais on est toujours vivant. Parce qu'il fallait venir chercher un point ici. On va maintenant supporter le Mali à 100% parce qu'ils vont recevoir la Côte d'Ivoire. Et puis de toute façon, il va falloir aller en Côte d'Ivoire comme c'était prévu normalement. Donc à nous de bien nous préparer. L'important c'est qu'on soit en vie toujours. On montre de belles choses et je pense qu'on a montré encore de très très belles choses. Maintenant, si on veut être critique, oui, il aurait fallu être beaucoup plus réaliste ce soir. Et les choses sont toujours grandes de l'équipe nationale face au Côte d'Ivoire. Si le Gabon a été gagné en Côte d'Ivoire, il est 3 points pour les équipes du monde. Pourquoi on ne serait pas capable d'aller gagner là-bas s'il le faut? Donc voilà, pour l'instant, il faut bien se concentrer pour le match contre le Gabon. Il faut le gagner absolument. On jouera à Casa, vous le savez, c'est un retour. Donc il va falloir mettre la même ambiance qu'à Rabat. Et puis être fier que les Marocains soient fiers de leur équipe. On est sur la pente ascendante. On progresse. Maintenant, bien sûr qu'il manque encore de toutes petites choses. Je ne vais pas vous cacher que j'aurais aimé repartir avec les 3 points, mais c'est comme ça, c'est le foot, il faut continuer et il faut être très fort dans ça. Merci.